make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Quelque chose d'intéressant? Wow! Salut, BD. J'ai eu tort de revenir ici sans arme. J'ai une arme. Tu crois que ce sabre laser fait de toi un Jedi? Non. Être face à vous. Les souvenirs qui m'obsèdent depuis Braca. J'ai décidé de ne plus les fuir. Alors découvrons quel type de mort te réserve ton courage. À mon égal dans la force. Impressionnant. Mais le pouvoir est-il la clé? Jamais je n'oublierai. Le passé est devenu une partie de moi. Je serai digne de vous. Et de votre sacrifice. N'oublie pas. La persévérance te montrera la voie. De peur. Pareil pour les crimes des Jedi. Allez, attaquez-le. Tu ne me briseras pas. Oui.
Envoie un steam si tu peux. Tu as choisi de revenir. C'est brave, mais imprudent. Peut-être. Merin, c'est ça? Je m'appelle Cal Kestis. Tout ce qu'on t'a raconté sur les Jedi est faux. Si tu le dis, Cal. Malikos dit lui aussi des choses. Taron Malikos a peut-être été un Jedi, mais ce qu'il est devenu... Je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas parce qu'on porte un sabre laser qu'on est forcément un Jedi. Alors quoi? Ils garantissaient la paix. Et ont été trahis par ceux qu'ils protégeaient. Ils ont été pourchassés par l'Empire et... Je suis peut-être un des derniers Jedi. J'étais une enfant quand ils ont attaqué. Un guerrier de métal qui brandissait ceci s'est précipité sur nous et a exterminé mon peuple, mes sœurs. Je me suis retrouvée seule, avec les corps. Et Malikos est arrivé, me promettant ma vengeance, en échange de tous nos plus précieux secrets. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Et Malikos a eu tort de s'en servir contre toi. On n'a pas besoin d'être ennemis. Tu en auras besoin. La voilà qui repart. J'observerai. Fichons le camp d'ici. Malikos est proche. Tu peux encore partir? Je ne peux pas. Il y a des vies en jeu. Quelle vie? Des innocents. Des enfants sensibles à la Force qui seront traqués et assassinés. Comme mes sœurs. Mon ami, je ne suis pas du genre à reculer sur la voie de la connaissance. Cal Kestis. Malikos. Bienvenue. Tu es venu pour t'entraîner? Pourquoi ces ruines t'intéressent-elles au point de risquer ta vie? Je peux vous retourner la question. Car leur pouvoir est grand. Bien trop grand pour un Jedi. Un pouvoir que je contrôle. Si tu veux, je peux te l'offrir. Vous ne comprenez pas? Le pouvoir n'est pas ce que je recherche. Je veux reconstruire l'ordre. Reconstruire l'ordre Jedi? Tu es un pauvre fou. Il est trop tard! Les Jedi sont morts bien avant la purge. Asphyxiés par leur tradition. Aveuglés par leur gloire passée. Et assourdis par une guerre sans fin. Peut-être bien. Mais il n'est jamais trop tard, Malikos. Nous pouvons apprendre, puisque nous sommes debout. Et nous repentir des erreurs du passé. Les Jedi... Ils n'ont plus aucun avenir. Comment peux-tu l'ignorer? Il faut penser au renouveau. Toi et moi. Nous pouvons bâtir autre chose. De bien plus grand. Non. Alors Datomir va devenir ton tombeau! Tes esquives te sauveront pas. Trop lent. J'ai l'esprit vif. Tu
n'es que l'ombre d'un Jedi. Affronte-moi! Un coup de main! J'ai besoin de toi, BD! Il de bloquer mes coups! Tu es faible! Ah, tu es rapide! Un coup de chance! Tu n'es que l'ombre d'un Jedi. C'est facile de bloquer mes coups! Ce n'est pas assez fort! Je t'attends! Arrière, Jedi! Ah, tu es rapide! Hé, hey, BD! Bien! Tue-moi si tu l'oses! J'ai rien senti! Ah, tu es rapide. J'ai eu tort de croire que tu pourrais m'aider. Minable ! Tu n'as aucun droit sur Datomir. Aucun droit sur notre magie. Relève-toi, Cal Kestis. Ton heure n'est pas venue. Seuls les lâches fuient. Vise mieux si tu veux vivre. Je ne te laisserai aucune chance. Finis son temps. BD, Steam. Un Steam BD. J'ai rien senti. Vous aviez raison, Malikos. Datomir sera votre tombeau. Laisse-le dans les ténèbres avec ses secrets. Jusqu'à ce qu'il en meure. Pourquoi tu m'as aidé? Pour délivrer Datomir de ce parasite. Que fais-tu vraiment ici, Cal Kestis?
Ceux qui ont bâti ce tombeau, les Efo, ont créé un objet qu'on appelle Astrium. Il ouvre un sanctuaire sur une planète lointaine. Et à l'intérieur se trouve une liste d'enfants sensibles à la Force. Mais l'Empire aussi est à sa recherche. Quel Empire ? Eh bien, l'Empire. Celui qui cherche à exterminer les êtres sensibles à la Force pour asseoir sa domination. Alors il arrivera bientôt sur Datomir, comme la guerre avant lui. Je t'aiderai à trouver cet Astrium. Ce lieu... c'est... terrifiant. Enfin trouvé. Ouais. Alors il existe. Merin, c'est peut-être la clé de la nouvelle génération de Jedi. Je me réjouis pour toi. Et tes Jedi. Il n'y a rien qui puisse me ramener les miens. Juste après la purge, je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'étais caché, j'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais, ou ce que j'étais. Qu'est-ce qui a changé ? Un très bon ami m'a conseillé de partir et de trouver ma place dans la galaxie. Et tu l'as fait ? Non, mais... la vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Je suis là désormais. Contre toute attente. Te pousser vers l'avant ? Je viens avec toi. Ah bon ? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Mais j'en ai terminé. J'aimerais me battre à tes côtés. Les Sœurs de la Nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais... les survivants... doivent s'adapter. Ouais. Ouais, t'as pas tort. T'en penses quoi, BD ? Je suis d'accord. Par contre, on va devoir aussi convaincre le reste de l'équipage. Alors on fera ce qu'il faudra. On ne peut plus avancer. On peut maintenant. Tout à l'heure, c'était toi aussi ? En effet. Je l'ai fait face à Malikou. Quoi, c'est bien fait ? Et tu as réussi. Félicitations. Est-ce que tu vas m'aider ou pas ? Tu t'en sortiras très bien. BD, j'ai besoin d'aide. Non, BD.
l'as trouvée. Eh oh, qui c'est celle-là? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ça veut dire que je viens avec vous. Serré, Grise, voici Mérine. Je rêve ou c'est une sorcière? Une sœur de la nuit. Vous n'avez absolument rien à craindre. Je n'aurais pas trouvé l'Astrium sans elle. Elle m'a aidé à battre Malikos. Je lui fais confiance. Et on te fait confiance. Toi, tu devras faire tes preuves. Ok, très bien. Tu peux t'installer. Et n'essaie pas de nous la faire à l'envers. Bienvenue à bord. Il t'aime bien. Je comprends pas ce que tu dis. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Dis, si on arrive à reconstruire l'ordre, tu crois que les Jedi vont sortir de leur trou? Qu'est-ce qui te fait dire que des Jedi se cachent? Rien, c'est comme ça. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Quand j'étais gamin, on nous parlait d'un maître Jedi légendaire, vert, aux oreilles pointues et... Est-ce que tu veux parler de Maître Yoda? Oui, en effet, c'est une légende. Hein? Qui? Quoi? Non, non, je veux parler de Maître Yaddle. Le membre du Haut Conseil Jedi? Ouais, on a tous des rêves, ok? Touche pas au mien. Pas de problème. Assieds-toi, petit gars, on va bientôt se poser. Ça va fonctionner? Cordova a réussi. Tu pourras y arriver. Elle a raison. Eh oh, est-ce que vous avez faim? J'avais prévu de me faire griller des steaks de Skaz. Désolé, je vous dérange? Non, capitaine. Et on ne serait pas allé aussi loin sans ton aide. Oh, C'est la vérité, Grise. Ah, merci. Eh, j'espère que tu finiras par trouver ton holotruc. Holocron. Vous êtes sûr de vouloir trouver cette liste? De quoi tu parles? Les enfants de cette liste. Si on les éloigne de chez eux pour en faire des Jedi, n'est-ce pas les mettre en danger? L'Empire ne doit pas pouvoir s'en emparer. Elle nous aidera à mettre un terme à l'Empire. Ah, changement de plan, on est presque arrivés. Oh, Grise. Ouais? J'aime mon steak très saignant. Ok, ça je sais faire. Ce mur. Ouais, allons voir. En espérant que nous parvenions à y trouver la paix.
je les guiderai sur la voie de la Force. Maître Kestis. Nous commencerons par la préparation physique. Qu'est-ce que la Force ? Rassemblez-vous autour de moi. Maître Kestis, vous pensez que l'Empire nous trouvera ? Rends-toi immédiatement et nous épargnerons les plus jeunes. C'est très bien. Mets-toi à genoux. J'avais peur de te trouver ici. Oh, je ne te croyais pas capable d'un tel discernement. Et moi qui croyais que ta plus grande qualité était ton obstination risible à passer d'un fiasco à l'autre. Alors tu aurais peut-être dû me tuer sur Braca.
Quelle importance. Ce n'était que la vie dérisoire d'un padawan contre ce qui me vaudra les grâces inestimables de l'Empereur. Tu penses que je vais te laisser partir avec l'Holocron ? Bien sûr que non. Nous sommes fiers tous les deux. Mais ta fierté à toi t'a coûté la vie de tous les enfants sensibles à la Force sur cette liste. Sans parler de la tienne. Comme tu l'as dit, Trina, je suis obstiné. J'ai enduré bien pire que ça. Seren t'a donc rien appris. Toujours en train de courir. M'aider, vite. Tu mourras comme tous les autres. Steam. Bédé, aide-moi. J'ai besoin de toi, Bédé. Je vais me faire un plaisir de te tuer. Avec ça, il a vu l'enfer. Non, attendez. Se séparer est une mauvaise idée. Non. Je vais les éloigner d'ici, et ensuite je les contournerai. Reste avec les novices, Trilla. Que la Force soit avec toi. Maître, restez avec nous. Trilla, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va aller. Serré. J'ai vu ce qui est arrivé. À propos de vous et Trilla, et ce que vous avez vécu. Je suis vraiment désolé. J'ai été arrogant et je me suis mal conduit. Je ne peux pas comprendre ce que vous avez traversé. Elle a notre Holocron. Je ne sais pas où elle l'a emmené. C'est entièrement ma faute si Trilla a suivi cette voie. Et ce qu'elle va faire par la suite est la somme de toutes mes erreurs. Mais nos erreurs relèvent du passé.
Nous nous devons de les assumer, préparer l'avenir est la seule chose qui importe. C'est vous qui m'avez appris ça. Tu as raison. Je sais où elle l'a emmenée. Dans une forteresse. Où ils traînent les Jedi. Et d'où viennent les Inquisiteurs. C'est un lieu de torture. C'est le lieu que j'ai fui. J'aurais jamais cru y retourner un jour. Vous ne serez pas toute seule. Mais avec un ami. Non. C'est avec un Jedi que j'irai. À genoux. Au nom du Conseil Jedi, et au nom de la Force, Cal Kestis. Debout, Chevalier Jedi. Maintenant, tu es prêt. Tout comme vous. C'est calme. Bien trop calme. C'est pas bon. Face à des défenses pareilles, nos stratégies de routine seront trop justes. Je connais un moyen. Que comptes-tu faire? Un rituel, pour cacher votre vaisseau. Si je peux. Un rituel? Elle a du talent pour ce genre de choses. Quoi? Oh, une petite minute, on se calme. Qu'est-ce que ça implique, ce rituel? Un sacrifice. L'un de tes bras devrait me suffire. C'est une blague! Ne sois pas si sérieux. Rejoins-moi à l'avant. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Qu'elle fasse, ça fonctionne. Quelles sont nos chances, selon toi? Je mise sur toi, petit gars. Allons-y, BD. Une fois à l'intérieur, je pourrai m'attaquer à leur défense, ainsi que saboter leur capteur pour que le Mantis puisse nous extraire. Toi, tu trouves l'holocron. On reste pas ensemble? Je sens l'appel. La vie de chacun des enfants sur cette liste est en jeu. Quoi qu'il arrive là-bas et quoi que tu puisses voir, ne t'occupe pas de moi, d'accord? Prends l'holocron et va-t'en. On est à la forteresse. C'est l'heure. Thank you.
Pas pour moi, nous avons une mission. Mais j'avoue, ça fait un bien fou de détruire cet endroit. Ils nous enfermaient dans cette prison. Je regrette qu'il n'y ait plus personne à sauver. Désolé qu'on ait dû revenir ici. Moi aussi. Mais nous n'avions pas vraiment le choix, non? Non, en effet. Allez, continuons. Oui, il est grand temps d'en finir. Aucun signe de Trilla? Non, pas encore. Le Locron est conservé dans la salle d'interrogatoire. C'est le lieu le plus sécurisé de la forteresse. Je t'ouvre la voie vers l'Holocron. Trouve l'Holocron. Je m'occupe des renforts et je te rejoins dès que possible. T'as trouvé quelque chose? On se rapproche. Hé, hey, Bélien. Merci d'être mon ami. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi avancé, même pour l'Empire. Mmh.
Ils les ont brisés, torturés et convertis au côté obscur.